Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. Avant de commencer ce vlog, je voudrais vraiment vous remercier très fort pour tous les messages que vous m'avez laissés sur le précédent vlog, celui de la semaine dernière. Voilà, je les ai tous lus, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde parce que la semaine a été très chargée, comme vous allez pouvoir le voir. Mais vraiment, vos retours m'ont fait très très chaud au cœur et je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. J'espère qu'au moment où j'aurai posté ce vlog-là, j'aurai eu le temps de répondre à beaucoup plus de commentaires. Mais voilà, je ne sais pas trop. D'ailleurs, en parlant de temps qui passe, je vais vous donner des nouvelles du Merry Christmas, du Mini Lily Black et du livre Envolé Sauvage. Vous avez vu qu'on a déjà reçu les pochons du Merry Christmas. Il nous manquait un petit peu tous les jeux. Et je sais qu'ils ont été, qu'ils sont arrivés en France, qu'ils ont été dédouanés. Maintenant, j'attends plus que l'appel de mon transporteur pour savoir quand est-ce qu'on va être livré. Voilà, je croise les doigts, j'ai très très bon espoir de pouvoir tout à fait tenir le délai de l'envoi début décembre. J'avais pas donné de date un peu exprès, en sachant qu'en réalité j'avais prévu 15 jours de marge parce que je pensais les recevoir, il était prévu que je les reçoive mi-novembre. Voilà voilà, je m'étais dit on me dit mi-novembre, je vais rajouter quelques semaines de plus et j'ai bien fait du coup, mais du coup ce nouveau délai va pouvoir être tenu et ça je suis vraiment contente. Alors je vais vous parler un petit peu de, avant de vous lancer les images de toute ma semaine où on va partir à Truffaut ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble d'autre? On va faire le sapin de Noël, je vais vous montrer le petit village que j'ai fait avec, avec ma fille. Et je sais plus où j'en suis, je sais plus si je vous l'ai dit, alors je vous le redis. J'ai reçu avec la tasse, parce que j'avais commandé la tasse aussi, le super livre de Caro Millet, Mon hiver cosy, qui avait réalisé, je vous avais présenté mon automne cosy, donc vraiment, là en fait je l'avais reçu la semaine dernière, mais j'avais pas eu le temps encore de le regarder. Là je l'ai lu, enfin j'ai pas tout lu, je le savoure petit à petit, pour prendre des petites idées, pardon, pour Noël aussi, et c'est très très chouette, vraiment une très belle réussite. Je le déguste. Avec un bon thé. Je suis aussi en train de réaliser un puzzle. Vous savez que j'aime beaucoup les puzzles. C'est un moment qui est extrêmement détente pour moi. C'est vraiment mon moment zen. C'est mon moment tranquille. Voilà. Je suis en train de faire ce puzzle-là qui est un vrai casse-tête. Là, je suis en train de faire tout le ciel et c'est hyper dur. Voilà, c'est un puzzle. Je serai contente quand je l'aurai terminé. Je pense que je le referai pas. Mais voilà, j'en suis là. Vous allez me voir réaliser cette illustration-là. Hop, je vous la montre très vite. Et voilà, vous allez le voir plus longuement dans le vlog. Et j'ai aussi récupéré ces deux petits agendas. Pierre et Christo, agenda 2020 et mon agenda Astromagie. Je vous ai fait des présentations, donc je vous mettrai les présentations. De ces deux agendas que j'ai beaucoup aimé. Je les trouve bien plus complets que ce qui avait été proposé dans les dernières années, puisque c'est la même maison d'édition chez Grancher en fait. Donc là ils ont vraiment fait un travail plus fourni, plus complet, que j'ai bien aimé. Je pense que du coup c'est les agendas que je vais utiliser pour l'année à venir. Et j'ai également reçu, que j'attendais impatiemment, Arcana. Les Mornes Plaines, c'est un jeu qui a été réalisé par Sébastien Weiss que vous voyez ici. Voilà, c'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter, donc j'avais participé au financement, participatif. Il arrive avec un CD que j'ai écouté qui est très sympa dans le style heroic fantasy en fait. Voilà. Je suis vraiment une très très belle réalisation ce jeu. Hop, je vous fais tomber des trucs, je vous le montrerai plus en détail dans une vidéo qui lui sera consacrée. J'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça. Et une dernière chose aussi, et pas des moindres, le journal de reconnexion à ton âme qu'on a réalisé avec Charlotte Daines, avec qui j'ai fait les jeux message de ton âme, message de ton corps, message de ton cœur. Et là en fait on a réalisé ensemble un journal
Voilà, pareil que je vous montrerai plus en détail. À la fin, vous avez quelques petites cartes détachables. Alors, pas toutes, hein, parce que sinon, voilà, vous avez quelques petites cartes de notre jeu. Donc, vous allez sans doute reconnaître. Très, très chouette. Vraiment, je suis très contente de cette réalisation. J'adore la couverture, le style graphique qui a été pris pour le faire. Je vous montre une page, par exemple. À vous bien sûr de le remplir hein, puisque c'est votre journal. Donc voilà. Allez, je vous embarque dans ma semaine. Et nous voici à Truffaut. Alors c'est un magasin que je connais peu. C'est pas la jardinerie qui est la plus proche de chez moi et j'avoue que j'ai été complètement émerveillée par la décoration. Ils ont vécu ils vivent Noël à fond hein, là-bas, carrément. Tout est dédié à Noël, ou presque tout, en tout cas, était dédié à Noël, les rayons entiers, c'était magnifique. Des sapins géants, des décorations sur presque tout le magasin. C'est waouh, c'était vraiment très très beau. Adorer là, les petits oiseaux, les boules de Noël, tout était classé par couleur. Alors je me rends compte hein, que j'adore les oiseaux. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. J'ai envie d'en mettre partout, des oiseaux et des maisons. Des maisons en pain d'épices. Je me focalise un petit peu sur oiseaux, souris et maisons. D'ailleurs, voilà. Là, vous avez des super jolies maisons. Vous aviez un autre sapin qui était fait dans les tons nature cette fois, comparé à l'autre. Et puis c'est rigolo parce qu'ils avaient mis des gros éléments dedans. C'est surprenant. En fait, jamais j'aurais pensé à mettre des très très gros éléments dans le sapin. Et là, c'est ce qu'ils avaient fait. C'était très 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 chouette. Et puis il y a une chose que j'adore au moment de Noël. Ma petite passion secrète, ah bah c'est le village de Noël. Alors j'en ai pas, enfin on en a fait un tout petit cette année avec ma fille, des Playmobil, voilà ce genre de petites choses. Et je trouve ça assez fascinant quand même de voir ces petites maisons, ces petits villages de Noël, pleines de couleurs, de mouvements. Bah j'en rêve. Il faut que je vous le dise, j'en rêve. Je rêve de me faire un joli village de Noël comme ça, avec un petit carrousel. J'ai envie d'un petit carrousel et j'aimerais une patinoire. Voilà. Donc voilà ce que moi j'ai récupéré à Truffaut. J'ai récupéré des rondins. J'ai récupéré cette petite branche pour faire des photos et je vous ai fait quelques photos avec. C'est très très joli. C'est une fausse. Hein. Et j'ai craqué, enfin Maxime et moi, on a craqué sur un thé de Noël orange, fruits rouges et cannelle. Et pour l'avoir goûté, il est délicieux. On s'en est fait une tasse l'après-midi et il est vraiment très très bon. Hein. Et puis quand même, j'ai craqué un tout petit peu pour cette Madame de Noël à rajouter dans notre pseudo village de Noël que je vous montrerai dans une prochaine vidéo sans doute. Mais voilà. Coucou, je viens de recevoir les cartons. Mais pour emballer les jeux, j'ai testé des nouveaux formats en fait. Donc il y a le traditionnel, celui dans lequel vous recevez les tarots renards ou quand vous commandez un jeu à l'unité. Donc c'est ceux-là qui se rabattent pour faire une triple épaisseur sur les côtés. J'ai testé ici la taille du dessus pour voir un petit peu, surtout quand il faut rajouter une carte postale à l'intérieur, parce que ceux-là sont format carte postale, mais quand je rajoute la petite enveloppe, en fait, j'arrive plus à les rentrer, donc ça devient compliqué. Donc je vais tester celui-ci pour voir si j'y arrive mieux. J'ai commandé aussi. Ouh, c'est lourd. Hop, pouf, pouf, pouf.
J'ai commandé aussi des grands cartons. Non, ceux-là, ce sont les cartons pour les doubles. Voilà, quand il y a deux ou trois jeux, je peux les rentrer là-dedans. Et j'ai fait une commande. Alors, où sont-ils? J'en ai partout. Alors non, c'est ceux-là. Non, ils sont en dessous de ce paquet-là. Voilà. J'ai pris des grands formats. Voilà, c'est ce qui me manquait jusqu'à présent. J'ai trois tailles de carton et là, il me manquait une quatrième pour faire un format encore plus grand. Voilà. Donc, j'en ai pas pris beaucoup. Hein. Je crois que j'en ai pris une centaine, une cinquantaine. Oh, il m'a pas l'air d'y en avoir 100, là. Combien j'en ai pris? Donc voilà, là je viens de me rendre compte du coup que j'en avais 25 de celui-là au lieu de 125. Donc il va falloir gérer un petit peu ça. Donc c'est des cartons qui sont un tout petit peu plus grands. C'est la dernière taille. Et alors, des boîtes en plastique comme ça, qui s'accrochent les unes sur les autres. Et j'ai commandé des enveloppes blanches comme ceci pour pouvoir mettre les tote bags. Et là je me dis, mais ça va être trop petit. Bah oui! Voilà, c'est un petit fail. Je les utiliserai pour autre chose. Et voilà ma petite tour de pins. Donc les petits pins bien rangés. Il faudra que je marque ici le nom, la référence de chaque produit. Voilà, donc super, je vais le caler là dans le fond de l'étagère. Je pense que pour la prochaine fois, j'en prendrai des plus longs. Pour pouvoir mettre aussi les cartes postales peut-être dedans. Bien qu'ici, c'est quand même très pratique de pouvoir les prendre comme ça. Voilà, je teste des organisations différentes. Bon, on va faire un test, on va essayer de voir si on peut mettre un tote bag dans les petites pochettes blanches, mais j'y crois pas trop. Eh bien si, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, j'ai réussi à rentrer le pochon dedans. Par contre, il va me manquer 1 cm pour bien pouvoir le fermer correctement. Bon ben, tant pis. Tant pis pour cette fois-ci. Mais j'avais bien calculé. C'est très difficile en fait de se rendre compte de si ça fonctionne ou pas au niveau des tailles tant qu'on n'a pas testé. Quand on n'a pas un exemplaire sous les yeux. Enfin, dans les mains plutôt pour tester pour de vrai. Et là, je suis quand même contente de ne pas m'être trop trompée. Voilà, donc super. Par contre, je me suis trompée pour là où je voulais mettre les pins. Donc là, ça fonctionne pour les pins. Par contre, je pensais que ce serait assez grand pour les cartes postales pour pouvoir les stocker à plat. Ça évite qu'elles se gondolent très légèrement. C'est rien, mais c'est simplement que voilà, quand on retire le plastique, au bout d'un moment, ça prend une légère forme incurvée. Suffit de l'aplatir après, c'est pas trop le souci. Mais bon, du coup, je m'étais dit, bon, allez, je les stocke à plat. Et en fait, ben non, fail. Fail pour ça. C'est pas grave, je vais mettre ça. Voilà. Hop. Ils seront bien ici. J'en ai d'autres en dessous. Et du coup, je pourrais les empiler également, eux. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, au fur et à mesure, j'essaie de m'organiser, c'est pas toujours facile, en fonction des nouveaux produits, voilà, c'est pour moi quelque chose d'assez obscur. Donc je le fais vraiment au feeling, au fur et à mesure, j'ai du mal à prévoir en fait ce genre de choses, le stockage ou les emballages. Par contre, quand j'ai reçu les pochons, je me suis rendu compte que... Enfin, les tote bags, je me suis rendu compte que j'avais pas d'emballage, et ça m'embêtait en fait de vous les envoyer comme ça, sans emballage. Donc j'ai mis du papier de soie. Mais le papier de soie, je trouve que c'est quand même, ça reste quand même pas génial pour envoyer. Voilà, donc ici, les petits sacs en papier, ça me semble pas mal. Avec une jolie petite étiquette que vous avez ici, mes petites étiquettes. Je les aime bien, je les trouve très jolies, celles-là. Il y en a plusieurs des différentes. Et celles-ci, c'est toutes les mêmes, juste à côté de mes petits stickers. Bah tiens, les petits stickers que je pourrais stocker dans mes... là-dedans.
Voilà. Test concluant. Est-ce que vous reconnaissez ce film? J'avais très envie de regarder Vous avez un message, qui est un super film d'automne, hein, d'automne, d'hiver. Et on va faire ça en peignant ce petit fantôme ensemble. Alors cette semaine, je me suis lancée dans un très gros projet. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas du tout si ça va être bien, mais en tout cas, je me suis amusée. Il s'agit de ce projet-là. Un manoir de fantômes de Noël. Oui, oui, oui. Alors maintenant, il va falloir que je peigne ce petit format A3. Et en fait, vous voyez, j'ai laissé des cases vides parce qu'à chaque intérieur de case, il y a une petite scénette que je vous ai également filmée. Alors, je ne vous ai pas toute filmée parce que j'avais pas l'occasion de tout le faire. Mais voici quelques petites scénettes. Donc ça, c'est pour le grenier. Ici, on a l'extérieur de la maison avec la patinoire. Là aussi, on est à l'extérieur de la maison. Je verrai si je la mets, celle-ci, parce qu'elle fait un petit peu plus Halloween que Noël. On verra bien. Donc ça, c'est dans la bibliothèque. Ici, on a la cuisine. Et ici, on a la seconde partie du salon. Voilà, donc on a... combien je vous ai fait de petites scénettes? J'en ai 8. 8 pour finaliser le projet que je voudrais faire, il m'en faudrait 4 autres de plus. Mais déjà, ces 8 là vont venir s'insérer ici. Les 4 autres seront des cartes bonus. C'est pas vraiment des cartes, c'est un projet qui n'a rien à voir avec des cartes pour l'instant. Ça n'a rien à voir avec les cartes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, je suis assez contente, en tout cas je m'amuse beaucoup à le faire. Voilà, alors je vais vous embarquer avec moi pour essayer de peindre cette gigantesque illustration. Par contre, je ne sais pas du tout
comment on va faire pour installer. Je vais vous montrer la tête de mon bureau, mais vous allez halluciner. Là, j'en ai absolument partout. Hop. Donc ça, c'est la tête de mon bureau. Donc là, il y a quand même le format A3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très très grand. Donc on va peut-être faire détail par détail. Il y en a vraiment vraiment partout. C'est le bazar. Donc déjà, je vais ranger. Je vais faire un grand espace là devant pour qu'on puisse peindre tout ça ensemble. Et j'ai un petit quelque chose de plus à vous montrer. En parlant de bazar, c'est pas un bazar, mais c'est juste pas rangé. Je les ai reçus hier et je suis juste trop trop contente. Regardez-moi ces beautés. J'avais tellement peur un petit peu du rendu sur le tissu parce que je ne l'avais pas testé avant, je l'avais testé sur du satin. Vous vous souvenez du satin vert, mais sur le satin vert, en fait, on ne voyait pas les jolies feuilles qui sont là. Vous voyez, les branches de sapin, en fait, étaient complètement noyées dans le vert, ce n'était pas joli. Et là, on a quelque chose de super beau. J'avais demandé du fil doré pour les étoiles et ils m'ont mis du beau fil doré, mais pas trop clair ni trop foncé, parfaitement la bonne couleur. L'intérieur est en satin doré, bien sûr. Vous avez les petites lanières ici pour fermer le pochon, vert, or et avec du vert de Murano, une perle en vert de Murano, comme d'habitude, rouge. Donc c'est super super joli, franchement j'adore. J'ai remonté un petit peu le motif parce que dans le premier essai que j'avais fait, le motif était trop bas et quand on mettait le jeu dedans, c'est dommage, l'épaisseur mangeait un petit peu. Et là, hop, vous voyez, là j'ai mis un jeu dedans et c'est tellement joli. J'ai envie de faire de la broderie maintenant sur tout. Mais c'est vraiment joli. Et puis ça fait tellement Noël, ça fait tellement petite broderie au coin du feu. Je suis ravie. On peut mettre ce qu'on veut du coup hein, dedans. Vous mettrez votre jeu, vous pourrez mettre vos petits accessoires de Noël, vous pourrez mettre un petit calendrier de l'Avent, enfin des petits trucs de l'Avent. Moi c'est ce que je fais pour ma fille. Tous les matins je lui mets un petit quelque chose dedans pour faire un calendrier de l'Avent et elle va piocher sous le sapin. Ce qu'il y a dans la pochette, donc pourquoi pas. Il y a plein de choses à faire, en fait, j'adore les pochons. Je suis vraiment très très fan. Et j'ai eu tellement de mal à le réaliser, celui-là, si vous savez. J'ai passé tellement de temps avec le fabricant à revoir les couleurs, à retravailler mon motif, à rechoisir, à faire des essais, à choisir un autre tissu. Et en fait, c'est... Je suis super fière. Je suis super fière. Je suis trop contente. Voilà, c'est un beau travail. Vraiment, c'est une belle réalisation. Donc top, au top. Super, super. Et voilà le travail. C'est mieux, non? Je pense qu'on se sent plus libre de créer maintenant. Alors c'est parti. On va installer le trépied qui est ici. Je pense que j'aurai pas suffisamment d'espace. Je vais le mettre sur l'ordinateur. Ouais, je pense que je vais pas avoir suffisamment d'espace pour vous prendre toute l'illustration. Il va falloir que je fasse peut-être par zone, je sais pas trop. C'est pas facile, hein. Là, je sais pas, là, je bug un peu. On va voir ce qu'on peut faire. Thank you.
Et voilà pour ce grand projet. Alors, à l'intérieur de chaque case ici, il y aura des petites vignettes. Il va y avoir des petites scénettes qui ont été dessinées à côté. Et donc là, je vais voir, je vais les monter sur l'ordinateur. Je suis vraiment très contente. Alors, ça m'a pris un sacré bout de temps. Vous l'avez vu en accéléré, mais moi, j'y ai passé des heures et des heures dessus. Donc voilà. Je suis vraiment très très contente du résultat. Je trouve ça vraiment très joli. J'adore la petite porte d'entrée. Je vais monter tout ça. Je vais voir ce que ça donne. Si j'ai réussi mon coup ou pas. Je suis pas du tout sûre de moi. C'est la première fois que je fais ça. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est parti.